Good morning, allez, Yiden Netusra, aujourd'hui, l'Irfoua Taraf, Baruch Shmuel, Ben Leabetor, Shachol et Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine vidéo de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Mugla, Père Gimel, Mishnah Vav, Bachanouka, Banessiim, Bapurim, Bayavo Amalek, Berashé Chodashim ou Berashé Chodashim, Bemahamadot, Bemahase Bereshit, Betaniot, Brachot Veklalot. En Mavsikin Veklalot, Ela Echad Kore et Kulan. בשינו וחמישי ובשבת במנחה קורין כסדרן ואין עולין להם מן החשבון שנאמר וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל מצוותן שיהיו קורין כל אחד ואחד בזמנו. On conclut dans cette Mishnah les différentes séquences de la Torah à lire aux différentes occasions. Au fait, on a eu dans la première Mishnah qu'on a sur la série, on était dans Mishnah Delet, on a vu l'histoire des quatre Shabbatot avant et après Purim. Après, dans la mission précédente, on a vu les fêtes de la Torah. Ouais, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Et à présent, on va voir les fêtes Midrabanan ou les autres occasions qui ont été instaurées par nos Khamim, comme ce qu'on verra tout de suite. Il y a tout d'abord Bachanouka. À Hanouka, il faut lire les Banessim, la Parasha des Nessim, où là-bas, on évoque la Hanouka Tamizbeach. D'accord? Il y a donc dans Parashat Nassau. Il y a la Torah qui évoque, lorsque c'était là, on n'était pas, ça ne s'est pas produit à Hanouka, ça s'est passé le premier Nissan, ça a commencé 6 heures de Nessim. Une fois qu'on a fini l'inauguration du Mishkan, il y a eu chaque jour, durant 12 jours, chacun des princes d'Israël, il a porté un korban particulier, on lit les Nessim, et on lit en rapport, puisque c'est Hanouka Tamizbeach et Hanouka, la fête de Hanouka qui représente la Hanouka du Beth Amikdash, puisque elle était souillée, on l'a réinaugurée, donc on lit la paracha des Nessim. D'autant plus qu'il faut savoir aussi que concrètement, lorsque les Bénéxer ont construit le Mishkan dans le Midbar, dans le désert, ils ont achevé la construction du Mishkan le 24 ou 25 qui se lève. Mais ils n'ont pas célébré tout de suite l'inauguration, ils ont patienté quelques mois, comme le Midrash apporte, il fallait attendre la naissance le mois où Yitzhak est né. Yitzhak, la Avoda des Korbanot. Il fallait attendre le mois où Yitzhak est né, donc du coup on a reporté l'inauguration, on a laissé passer comme ça toute la fin de, on est enfin qui se lève, Tevet, Shvat, Adar, et trois mois après, on a fait, trois mois plein après, on a fait l'inauguration du Mishkan. Et en fait, on est avec une petite dette par rapport à la date du 25 qui se lève. Du coup, quand il y a eu ça avec les Grecs, Hachem il a prévu que ça allait se finir, il a donné la main à main haute aux Juifs pour le 25. D'accord? Donc du coup, on célèbre cette date, et c'est aussi un peu pour ça qu'on lit les Nissim, en fait, c'est la date où on aurait dû le rapporter à ce... C'est un Midrash, ça qui rapporte, c'est pas rapporté dans le bordel. Bapurim, à Purim, il faut lire Vayavo Amalek, la paracha de Vayavo Amalek. Cette fois-ci, c'est plus Zachor, attaché à Saranach Amalek. C'est pas ce qui se souvient de ce qui t'a fait Amalek quand t'es sorti d'Égypte, mais c'est plutôt c'est l'histoire, qu'est-ce qui t'a fait quand t'es sorti d'Égypte, c'est à la fin de Béchalar, où la Torah nous raconte que on était à Refidim, en train de s'approcher du Midbar, tous les peuples du monde avaient peur du Ham Israël, et il y a eu un Khatsouf effronté qui est venu, qui a refroidi la baignoire bien bouillante, comme le Chazal dit, la Ambati Rotachat. Tout le monde tremblait d'Israël, ils avaient peur. Shamonir Gazon, Khilachaz, Yoshepel Hachet, Azni Balol Vedom, comme on dit dans le Shirat Hayam, et c'est qui ose malgré tout se jeter à l'eau, quitte à se brûler, c'est un qui va tout perdre, c'est Amalek. Acharito Adeoved. Ensuite, Berashé Chodashim à Rosh Chodesh, eh bien, il faut lire la paracha de Ouvrashé Chodeshem, Tekivol Olashem. C'est aussi dans sa introduction, en fait, dans Parashat Pinchas, où on commence par Rosh Chodesh. On commence avec le Korban Tamid, après on continue avec Rosh Chodesh. Shabbat, après Rosh Chodesh. Bemahamadot, alors les Mahamadot, vous rappelez, c'est quoi qu'on a fait dans Masechet Tanit? Les Mahamadot, c'était les délégués du Ham Israël qui partaient faire des tefilot toute la journée, pendant la semaine. En rapport avec le korban qui était offert au Beth Amikdash. Ça c'était, donc ils se réunissaient, ils priaient et ils jeûnaient même aussi, à part le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils devaient jeûner aussi, et puis ils faisaient aussi lire, sortir un Sefer Torah et lire. Qu'est-ce qu'ils lisaient tous les jours? Vous vous rappelez, on avait appris tout ça dans Masechet Ta'anit, on avait vu que Bema Sebereshit, ils lisent le Bema Sebereshit, la création du monde. Puisque vous êtes là en train de prier pour le korban qui soit agréé, le monde tient grâce au Korbanot, eh bien, on va lire la paracha des Korbanot, de la création du monde, en l'occurrence. Betaniot, les jours des jeûnes publics, Brachot ou Klalot.
les bénédictions et malédictions. Pas comme ce que nous, on a l'usage de faire, on est dans la parasha de Birkotai. Nous, on a l'usage à, dans les jours de jeûne, on lui Vaïchal Moshe, et Tmen Hachem, et là-bas, on mentionne les 13 midot de Rachamim Hachem. Eh bien, eux, ils avaient l'usage, pendant les jours de jeûne, de lire les brachot et klalot, les bénédictions et malédictions, en l'occurrence, la parasha de Bechukotai. Et alors, la Mishnah donne une petite précision en disant, En mafsikin beklalot, sache qu'à partir du moment où on commence à lire les malédictions, eh bien, il ne faut pas s'arrêter. C'est pour ça que vous allez voir, bientôt, on va arriver à Bechukotai, par exemple. Idem aussi à Kitavo, on laisse une montée très très longue, on lit tout d'un coup. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter pendant les brachot. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Deux raisons. Adore, je finis la phrase. En mafsikin beklalot, on ne s'interrompt pas pendant les klalot, c'est-à-dire qu'une seule personne lit tout d'entrée. Et là, Echad Kore et Kolan, mais un seul lit toutes les klalot en même temps. D'accord? Alors on a dit pour quelle raison? Il y a deux raisons. Tout d'abord, c'est rapporté dans le Tosafot Yom Tov cette fois-ci, au nom de la Gemara, au nom du Ran, précision, qu'il y a soit un passage qui nous dit Moussa Hachem Altimas, qu'il ne faut pas montrer que quand je te fais un reproche, que tu me dis allez, c'est bon, je t'ai entendu. Donc on monte à la Torah, on fait la Bracha sur les klalot. Et d'un coup, genre, on s'arrête, parce que c'est trop entendu, on ne peut plus supporter. Non, Moussa Hachem Altimas, il faut continuer à lire jusqu'au bout. Première interprétation, deuxième interprétation, parce qu'il ne faut pas faire de bracha sur la séquence des klalot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence toujours la lecture des klalot avec quelques psukim de brachot auparavant et même après. Ou une conclusion après. En mafsikin me klalot, et la echad kore et kulan, donc on ne s'interrompra pas pendant les klalot, mais une seule personne les lira toutes d'un coup. Bacheni ou Bachamishi ou Bachabat. Maintenant, autre occasion où on sort de Sefer Torah, c'est Sheni et Bachamishi, le lundi et le jeudi, Bachabat Mimincha et le Shabbat Amincha. Aussi, il faut encore une fois sortir le Sefer Torah. Et là-bas, Korin Kesidran, on lit selon la Sidra, selon l'ordre de la semaine, Ve'en Olin La'en Minachashbon. Mais sache que ce que tu lis, ça ne compte pas pour le décompte des Parashiot. C'est-à-dire, d'ailleurs, on va sortir un Sefer Torah. Pour lire, bientôt il va avoir Parashat et mort. On va sortir le Sefer Torah, on va lire sûrement la première montée, on va séparer en Kohen et Israël, on la sépare en trois. On va la lire le lundi, on l'a lu déjà le Shabbat précédent depuis Mincha. On va la lire le lundi, on va la lire le jeudi. Reviens le Shabbat, et bien tu recommences toute la Parashat depuis le début, parce que ce que tu lis pendant la semaine, ça ne compte pas pour la mitzvah de lire le Sefer Torah de manière suivie durant toute l'année. Ok? Et tout ça, pourquoi je te demande de faire de lire à toutes ces occasions des parachutes particulières, parce que chez Neymar, comme nous dit le verset, va devoir Moshe Tmoadé Hachem, El Béné Israël et Hachem, et Moshe dit au Béné Israël, les fêtes d'Hachem. Et de là, on déduit que Mitzvatan Chiokorin Kol Echad Vechad Bizmano, qu'il y a une mitzvah de lire à chaque occasion une paracha relative avec le jour que tu célèbres. Il faut le lire, c'est entre parenthèses aussi rapporté, je ne sais plus où je l'ai vu, je crois, dans Tifat Israël. Qui a apporté aussi le pasouk de Unchalem Aferim Sefatenu, qu'à notre époque où il n'y a plus de korban, on ne peut plus offrir le korban, malgré tout, c'est important de lire les parachutes relatives au korban, parce que Unchalem Aferim Sefatenu, afin que l'on paye des taureaux par nos lèvres, c'est-à-dire grâce à notre étude de la Torah et plus particulièrement des lois relatives ou de la paracha relative au korban qui était offert en ce jour, Hachem agrée cela comme si on apportait directement les parim. Les taureaux qu'il fallait offrir, ou les différents dons et tout ça. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Comme tout, c'est là.